parole de Dieu. Amen. Voilà. Je vous invite à lire deux petits passages. On pourrait continuer encore cette étude sur l'Église. Donc notre point de départ, c'est Matthieu 16, verset 18. Jésus dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà, cette étude, c'est « Je bâtirai mon Église », cette intention de Jésus. Et on lit dans le livre des Actes, au chapitre 2 maintenant, à partir du verset 37. Il dit là, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Jésus dit donc, je bâtirai mon Église. Et le texte que nous venons de lire prend lieu le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, ce jour-là, comme dit le verset 41, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000, ce jour-là, eh bien, l'Église est née. L'Église de Jésus-Christ a commencé. Je vous ai dit que le mot « Église » apparaît deux fois dans les évangiles et il apparaît deux fois dans la bouche du Seigneur Jésus quand il explique ce que deviendront les disciples après son départ. Il les rassemblera. Ce sera son ecclésia, son Église, ce rassemblement de gens qui vont vivre hors du péché, hors des principes de ce monde. Et là, dans Actes chapitre 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ici qu'apparaît pour la première fois le mot « Église » dans le livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, Jésus envoie le Saint-Esprit sur les 120 disciples et il commence donc à bâtir l'Église. Alors cette Église, au départ, elle était locale, puisque le verset 44 nous dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu ». C'était une Église locale et puis, bien sûr, en grandissant et puis avec le temps, elle est devenue je vous l'ai expliqué, à la fois locale et visible, mais aussi invisible et universelle, comme Jésus l'avait déclaré par les deux déclarations qu'il fait dans Matthieu 16 et dans Matthieu 18. Alors, il est très intéressant, et ça va être mon propos ce matin, de voir avec vous ce qu'était l'Église au départ. En effet, le livre des Actes ici nous montre comment fonctionnait l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur ajoutait à l'Église, donc dans son Église, des âmes qui étaient sauvées. Donc c'est intéressant de voir comment elle fonctionnait cette Église à l'origine, dès le départ, à sa naissance, dès le premier jour et dans les jours, les mois qui ont suivi. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
L'Église, d'abord, c'est un rassemblement de gens sauvés. D'accord ? L'Église est un rassemblement de gens sauvés. Alors, qu'est-ce que c'est des gens sauvés ? Parfois, on a des mots, mais est-ce qu'on est tous au clair avec le mot ? Est-ce qu'on comprend tous la même chose derrière le mot ? Quelle définition l'Écriture donne-t-elle de ces mots-là ? Qu'est-ce que des gens sauvés ? Alors, moi, je ne vais pas vous donner ma définition, mais je vais vous dire ce que le chapitre 2, puisque là, il nous est parlé de gens qui sont sauvés, le chapitre 2, là, du livre des Actes, nous donne les grandes lignes de ce que sont des gens sauvés. Par exemple, au verset 23 à 25, il est dit, il parlait de Jésus, cet homme, livré selon le plan, dessein, plan arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Les sauvés, d'abord, ça va être des gens qui vont prendre conscience de qui est Jésus. Voyez ? Avant d'être dans l'Église, avant d'être sauvé, pour nous, Jésus était peut-être rien, ou en tous les cas, c'était très imprécis. Mais un jour, nous avons réalisé que la mort n'a pas pu garder Jésus. Vous voyez ? La mort n'a pas pu garder Jésus. Vous rendez compte ? Ça, c'est il y a que Jésus. Hein. Il est unique en cela. La mort n'a pas pu garder Jésus. Il était impossible, il est mort. Il a été délivré des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il est ressuscité, c'est encore dit au verset 32 et 33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Donc, il n'est pas retenu par la mort, il est ressuscité, et puis après sa résurrection, il nous a dit qu'il est retourné au ciel, d'où il était venu. Donc, un sauvé, c'est déjà quelqu'un qui va prendre conscience que Jésus est venu du ciel et que où il existait déjà avant, hein, il existait en forme de Dieu, dit l'Écriture. Et puis, après son passage sur terre, après sa mort, il est retourné au ciel. Il est élevé à la droite de Dieu, dit le passage. Donc, c'est déjà, un sauvé, c'est déjà quelqu'un qui va réaliser ça. Mais des sauvés, c'est en plus aussi des gens qui vont prendre conscience de leur responsabilité dans la mort de Jésus. Parce qu'il est dit, là, au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez crucifié. Hein, donc il met sur les Juifs là une responsabilité de la mort de Jésus. Et il continue, donc verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Par conséquent, on le voit, hein, après avoir pris conscience de qui était Jésus, venu du ciel, mort, retourné au ciel, et des gens qui, à un moment donné, prennent conscience qu'ils ont une responsabilité dans cette mort, les sauver, ce sont des gens qui vont se repentir de leur péché, qui vont se repentir de ce péché. Et Christ n'est pas mort seulement à cause des Juifs, mais il est mort à cause de nos péchés. L'Écriture dit, il a pris nos péchés en son corps sur le bois. L'Écriture dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans les péchés du monde, il y a les miens, et il y a les tiens, il y a les vôtres, il y a les péchés de chacun d'entre nous. Alors, vous voyez, il est mort à cause du péché, de mes péchés. Et alors, quand on comprend ça, quand on réalise ça, qu'est-ce qu'on fait ? On demande pardon à Dieu pour ses péchés. L'avez-vous fait ? Moi, vous savez, je savais pas que Jésus-Christ était mort, ressuscité. Je savais que c'était un personnage historique. Et un jour, j'ai réalisé qu'il était venu du ciel. Un jour, j'ai réalisé qu'il avait vaincu la mort. Et un jour, j'ai réalisé qu'il était mort pour mes péchés. Alors, j'ai confessé mes péchés. Je les ai abandonnés. Et à ce moment-là,
j'ai reçu le pardon de Dieu. Et vous recevrez le pardon de Dieu pour vos péchés. Et ce pardon-là, c'est ça le salut. Voyez ? Le pardon-là, c'est ça le salut. Quand vous recevez ce pardon, vous êtes sauvé. Verset 41, il dit que ceux qui acceptèrent cette parole de repentance, de demande de repentance, donc qui se sont repentis, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Le salut, quand il rentre dans un cœur, cette nouvelle naissance, autrement dit encore, le salut commence dans une nouvelle naissance, ce salut nous amène au baptême. Que chacun soit baptisé au nom de Christ pour le pardon de ses péchés. Et le baptême nous fait entrer dans l'Église. Voilà, on entre dans l'Église de Jésus-Christ, pas par une porte, par le baptême. Et par le baptême, quand il est fait à la suite d'une nouvelle naissance. Et le verset 47 dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors maintenant, une question se pose. Voilà, donc, je vous explique, le salut. L'Église, c'est un rassemblement de gens sauvés, plus que c'est que des gens sauvés, des gens qui ont obtenu le pardon de Dieu, qui ont réalisé qui est Jésus-Christ, mort pour eux. Et puis, maintenant, une question se pose. Pourquoi ajouter à l'Église des gens sauvés, puisqu'ils sont sauvés? C'est vrai. À la limite, ils sont sauvés aux autres, passons aux autres. Mais il nous est dit que l'Ecclésia, c'est un rassemblement de gens sauvés. Le Seigneur a voulu que tous ces sauvés soient ajoutés, rassemblés dans l'Église. Pourquoi? Pour qu'ils puissent persévérer dans le salut. C'est ce que va dire le verset 41-42. Ils acceptèrent sa parole, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Alors je vais vous dire quelque chose que moi je comprends en lisant la Bible, alors peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je vais vous donner des versets. Le salut n'est pas acquis définitivement. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « sauver une fois, sauver toujours ». Le salut, c'est ce pardon que je reçois de Dieu. Mais pour garder ce salut, il faut que je demeure en Christ. Il faut demeurer en Christ pour demeurer dans le salut. Est-ce que vous êtes conscient de cela? C'est pour ça que l'Église, elle est nécessaire. Parce que si on était sauvé, ben voilà, on serait sauvé, voilà. Mais ce salut, il faut que je le garde. Et l'Église va être ce moyen que ce salut soit gardé, cultivé, entretenu. Alors, moi j'ai des versets, j'ai beaucoup de versets. J'ai Hébreux, chapitre 3, verset 6, par exemple, où il est dit, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, donc, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Voilà. Pourvu que nous conservions. Et puis il nous est dit encore au verset 14, « Nous sommes devenus participants de Christ. » Alléluia. Mais pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Voyez, c'est pas automatique. Encore un Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui se passe? Ça change rien? Si, ça change tout. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Ou encore, au verset 39 du même chapitre, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voyez, qui ont cette foi persévérante pour sauver leur âme. Tout le passage nous dit de ne pas abandonner son assemblée, pas abandonner son assurance. Pourquoi? Et il conclut comme ça, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, donc qui vont persévérer pour sauver leur âme.
Colossiens chapitre 1. Alors, vous avez ça chez tous les apôtres, hein, vous avez ça chez Paul, vous avez trouvé ça chez Pierre aussi. Sans hébreu, donc, Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Voilà. Là, vous avez la conversion, la nouvelle naissance, la vie nouvelle. Il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ça, c'est le projet. Si du moins, hein, pourvu, si du moins, ça veut dire à condition que, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Voyez, vous aurez si vous demeurez. 1 Pierre chapitre 1. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Voilà, ça c'est la nouvelle naissance, c'est ce salut, ce pardon. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ, donc pour le ciel, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux, alléluia. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et il va continuer au verset 9. Parce que, hein, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en, verset 8, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez, c'est un futur, le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pour prix de votre foi. Et ce passage nous dit que le salut a deux temps. Moi, aujourd'hui, je suis sauvé. Moi, aujourd'hui, je suis sauvé, j'ai fait la paix avec Dieu, je suis sauvé, j'ai aucun problème avec ça. Parce que c'est un pardon inconditionnel de Dieu, il ne dépend pas de mes œuvres, il m'a été donné par Dieu. Au moment de ma conversion, je suis régénéré, je suis sauvé. Mais, quand même, ce passage dit que ce salut deviendra définitif lorsque je serai au ciel. Je vais l'obtenir au prix de ma foi. C'est-à-dire au prix de ma confiance, de ma dépendance avec Dieu. Hein, c'est l'histoire des sarments. Si le sarment demeure attaché au cep, hein, il porte du fruit. S'il demeure pas attaché, il est brûlé, jeté au feu. C'est un autre passage. Je pourrais vous prendre des quantités de passages. Cette idée, elle est permanente dans le Nouveau Testament. Hein, on le voit, tous ces passages, dans tous ces passages, le salut n'est pas acquis définitivement au départ. Il est plein, hein. Vous êtes sauvés. Si vous avez fait la paix avec Dieu, vous êtes sauvés. Vous n'avez pas besoin de faire des œuvres. Vous êtes sauvés. Mais si vous détournez de l'évangile, vous perdez votre salut. Vous perdez votre salut. Et donc, l'Église est le moyen de Dieu pour vous garder dans le salut, pour me garder dans le salut. Et Dieu nous met dans l'Église pour qu'on persévère. Hein, c'est ça. Et il persévérait. C'est très intéressant, il persévérait dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Je vais développer ça tout à l'heure. Dans Matthieu 28, c'est l'ordre royal du Seigneur, hein, qui va vous expliquer la nécessité de l'Église. Mais toujours dans ce que je vous parle depuis plusieurs semaines, de comprendre la nécessité de l'Église. De comprendre pourquoi l'Église. Pourquoi Jésus, dès le départ, hein, il a dit à ses apôtres, je bâtirai mon Église. Je vous ai dit, hein, tout de suite, il a dit, hein, il y aura le péché dans l'Église. Il a prévenu ce que ça serait l'Église. Mais pourtant, il a voulu cette Église. Malgré ses difficultés, malgré ses écueils. Matthieu 28 dit, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ok? Donc, on est à nouveau là, dans ce salut, qu'on doit apporter aux gens, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, hein, le baptême qui est une marque là de ce salut. Hein. Et il ajoute, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer.
Après que les gens soient baptisés, après que les gens aient fait la paix avec Dieu et qu'ils aient indiqué cette paix par le baptême, il faut, ça ne s'arrête pas, il faut le renseigner à observer tout ce que le Seigneur a prescrit, tous ses commandements, toute sa parole. Et où est-ce que ça va se faire ? Ben dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a besoin de l'Église. Et alors, quand on lit le livre des Actes, où je vous ai dit c'est la naissance de l'Église, c'est vraiment l'Église dans son enfance, c'est l'Église dans son innocence, tout au départ, il nous est dit qu'il y avait quatre choses dans lesquelles il fallait persévérer. Quatre choses dans lesquelles, quatre piliers de la foi des premiers croyants, des premiers disciples dans l'Église. Ce qu'on leur demandait, c'était de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans ces quatre choses, voyez-vous, il y a tout l'essentiel et tout l'indispensable pour le chrétien. Et ça n'a pas changé. C'est valable pour nous. Souvent, on va remplir l'Église de Jésus-Christ de tout un tas de choses. Tout un tas d'activités, tout un tas de choses, et je ne dis pas qu'elles soient mauvaises, mais l'essentiel, c'est ces quatre choses. Si nous persévérons dans ces quatre choses, nous allons avoir une foi forte, comme ils avaient. Nous allons avoir une vie bénie par le Seigneur, comme ils avaient. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a que l'Église de Jésus-Christ qui produit ces quatre choses ensemble. Vous pouvez trouver une association peut-être dans laquelle il y a, entre guillemets, une communion fraternelle, mais il vous manquera l'enseignement des apôtres. Vous pouvez trouver des endroits peut-être où vous allez un enseignement. Vous allez sur Internet, vous aurez des enseignements. Peut-être vous pouvez prier chez vous. Mais ces quatre choses ensemble, qui sont comme les quatre pieds d'une chaise sur laquelle vous pouvez être assis et être solidement en confiance, ces quatre pieds qui sont une assise pour votre vie spirituelle, pour qu'elle soit équilibrée, vous ne les trouverez que dans l'Église de Jésus-Christ et au travers de l'Église de Jésus-Christ. C'est vrai, on peut écouter un enseignement tout seul chez soi. Ce matin, vous avez des gens, peut-être, ils ont mis un ordinateur, ils ont écouté un culte de ceci ou de cela. C'est vrai, on peut prier tout seul dans son coin, mais pour la communion fraternelle, pour la fraction du pain, il vous faut d'autres chrétiens. Il vous faut nécessairement d'autres chrétiens. Il vous faut l'Église. Il vous faut l'Église. Et en réalité, il faut ces quatre choses ensemble. Il faut que ces quatre choses, elles soient ensemble. Elles sont inséparables. Et seule l'Église peut nous les fournir. D'ailleurs, quand vous lisez dans le texte grec, vous avez quelque chose qui n'apparaît pas dans la traduction seconde que nous utilisons. Ici, nous avons « Il persévérait dans l'enseignement, virgule, dans la communion fraternelle, virgule, dans la fraction du pain, virgule, et dans les prières. » Mais dans le texte grec, c'est marqué « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, virgule, dans la fraction des pains et dans les prières. » C'est-à-dire que enseignement et communion sont couplés entre eux, fraction du pain et prière sont couplés entre eux, liés entre eux. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup. Je vais vous dire que ça change beaucoup. Ça nous dit que nous avons affaire ici à deux couples qui marchent ensemble. Le premier couple, c'est enseignement et communion. La virgule détache ces choses-là. Mais le texte, lui, il les attache. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est très important. L'enseignement des apôtres, qu'est-ce que c'est quoi ? L'enseignement des apôtres, c'est ce Dieu qui me parle au travers des apôtres, c'est l'Écriture, c'est l'enseignement qu'ils nous ont laissé, c'est par là que nous connaissons Dieu, que nous connaissons l'Église, et par l'enseignement des apôtres, par la parole de Dieu, je reçois la parole d'en haut. L'enseignement des apôtres, ça nous parle d'une relation verticale. Ça nous parle de la relation verticale. Et la communion fraternelle, qui est liée là,
Ça nous parle de la relation horizontale. Ça veut dire que ce que je reçois de l'enseignement des apôtres, je dois le traduire dans ma vie, dans mes actes, dans mes paroles auprès des autres. C'est pour ça que c'est lié. L'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. Je reçois la parole, je comprends, je vais vous donner un exemple. Je comprends ce que Dieu me dit et qu'est-ce que je fais? Je le fais auprès de mes semblables. Je vous donne un exemple. Enseignement des apôtres, par exemple, on prend 1 Jean, chapitre 3, verset 11. Voilà, c'est un enseignement de l'apôtre Jean. Et il dit, « Car ce qui annonçait ce que vous avez entendu dès le commencement, hein, donc il rappelle les paroles du Seigneur Jésus, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin il tua, et qui tua son frère. C'est pourquoi, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et parce que celles de son frère étaient justes. » D'accord? Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. On doit s'aimer les uns les autres. On ne doit pas être comme ces deux frères, Caïn et Abel, qui se détestaient au point de s'entretuer. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il continue le texte tout de suite? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Frères. Communion fraternelle, enseignement qui vient d'en haut, rappel de ce que le Seigneur a dit, vous devez vous aimer les uns les autres. Et tout de suite, nous devons aimer les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et il continue, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un enseignement qui vient d'en haut, mais il doit y avoir une application de cet enseignement. Hein, dans ce dessin-là, vous avez la croix. Quand vous avez la relation verticale, la relation horizontale, vous avez la croix. La croix, c'est des choses qui viennent d'en haut, un enseignement, mais c'est aussi une application de cet enseignement. La volonté de l'Église au départ, c'était qu'on mette immédiatement en pratique la parole du Seigneur. Sinon, ça ne servait à rien. Jacques dit les choses autrement, il dit « Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. » Sinon, ça vous servira à rien. L'apôtre Paul dit « La connaissance, elle, enfle et l'amour édifie. » La connaissance est lampe, l'amour édifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance seule ne va pas vous faire grandir spirituellement. Vous en aurez plein la tête, mais c'est pas pour ça que vous serez chrétien. C'est pas pour ça que vous serez réellement ce que vous devez être dans l'Église de Jésus-Christ. Dans la pensée de Christ, mise en pratique dans la première Église, la connaissance était couplée avec la pratique. Hein, retenez bien ça. Hein. Retenez bien ça. La connaissance était couplée avec la pratique. Le mot grec qui est traduit par communion, c'est un mot qui s'appelle koinonia, qui signifie, il signifie communion, mais le sens de cette communion, c'est un partage intime. On peut parler de koinonia quand on parle par exemple de la communion qui existe dans un mariage entre un époux et une épouse. C'est pour vous montrer quelle est cette communion. La communion, de ce mot grec dit, c'est une mise en commun. C'est une association forte, clairement établie. C'est ça. La communion fraternelle qui était demandée dans l'Église. Et le chapitre 2 nous dit clairement comment se traduisait cette communion fraternelle, versets 44 à 46, hein, on revient là, on voit en quoi consistait cette communion, comment elle venait dans la pratique. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà. C'était quoi? C'était des croyants qui étaient ensemble. Des croyants qui se parlaient, qui se voyaient, qui s'entraidaient, qui travaillaient ensemble. Hein, on est loin d'une église froide où les gens se saluent à peine ou se regardent de travers.
D'accord? Jésus a dit, je bâtirai mon église, mais avons-nous bâti l'église de Jésus-Christ? Bâtissons-nous l'église de Jésus-Christ? Alors, vous avez un premier couple, enseignement, communion fraternelle. Et il fallait persévérer là-dedans. Il fallait savoir ce que les apôtres avaient dit, et puis il fallait le pratiquer. Puis vous aviez un deuxième couple, fraction du pain et prière. Fraction du pain et prière. Et c'est couplé, hein, ça veut dire, il ne faut pas les détacher. Alors, fraction du pain, qu'est-ce que c'est? Fraction du pain, c'est le repas du Seigneur. C'est les protestants, les évangéliques disent la Sainte Cène. L'Eucharistie. Je crois que l'Eucharistie, ça ne soit pas tout à fait la même chose, mais bon, c'est le repas du Seigneur. C'est ça, hein. C'est le pain et le vin que nous allons prendre tout à l'heure, que nous prenons régulièrement chaque dimanche. Alors, naturellement, ce repas, il nous rappelle déjà la mort de Jésus-Christ et son retour. Il nous rappelle aussi qu'un jour, nous avons fait une alliance avec Jésus-Christ. Mais aussi et surtout, il nous rappelle que nous faisons partie d'un même corps. Que nous faisons partie d'un même corps. Ce pain-là, il symbolise le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Ceci est mon sang, ceci est mon corps. Oui, le pain symbolise le corps. Il symbolise l'Église. Et il nous dit que, à cause de cela, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Alors, aussi curieux que cela puisse paraître, hein, le repas du Seigneur que nous prenons chaque semaine, chaque dimanche, ben, concerne notre relation en partie, en tous les cas, ne serait-ce qu'au travers du pain, concerne notre relation horizontale avec les autres croyants. Voilà. Hein, la Sainte Cène, c'est pas simplement « Jésus est mort pour moi ». La Sainte Cène, c'est « Jésus est mort pour moi, je suis sauvé, je suis rentré dans l'Église, je fais partie de son corps ». Je fais partie de son corps. Alors, regardez 1 Corinthiens chapitre 11. C'est un des passages hein, du repas du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Alors, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'épouffe soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, sans faire attention, sans considérer le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Le corps, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église universelle et locale. C'est l'Église. Ça veut dire, si je prends la Sainte Cène en vivant dans le péché, hein, indignement, dit le texte, ben je pêche contre l'Église. Je pêche contre le Seigneur et je pêche contre l'Église. Et il dit que là, vous avez un risque de jugement contre vous-même. Ça veut dire que le repas du Seigneur, et on le sait bien ça, c'est un stimulateur à avoir une vie sans péché. D'accord? C'est un stimulateur à avoir une vie sans péché. La Sainte Cène, c'est une discipline dans laquelle Dieu nous amène pour garder le corps de l'Église saint, séparé, sans tache. Alors, c'est bien, hein? Aujourd'hui, on prend la Sainte Cène très facilement, d'une manière très mécanique, le culte est fini, on marche beaucoup dans de la routine, hein. Hop, les paniers vont passer, vous allez prendre vos bouts de pain, vous allez les manger, puis voilà.
Mais ce n'était pas comme ça au commencement de l'Église. Ce n'est pas comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. Il est dit que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la fraction du pain. Ça veut dire quoi, qu'ils persévéraient? Alors on peut entendre que ils faisaient attention à respecter ça tous les dimanches ou tous les jours apparemment, etc. Non. Ils persévéraient dans la fraction du pain, c'était une persévérance parce que ça demandait une véritable exigence. Vous voyez? Pour prendre la Sainte Cène, il fallait, et il faut encore, premièrement être de nouveau, être né de nouveau, être baptisé, être en communion avec tous les frères et toutes les sœurs qui prennent le repas, et puis marcher en conformité avec Christ, marcher dans la sanctification. Et inversement, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur ou Seigneur, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui sont en guerre avec des frères et des sœurs, ils doivent s'abstenir de prendre le repas du Seigneur. Ici, on est ce qu'on appelle, vous savez, une église qui pratique le repas du Seigneur, c'est la Sainte Cène ouverte. Hein? Ça veut dire qu'on contrôle pas, on laisse passer le panier et on amène chacun à s'examiner lui-même. Mais les gens ne s'examinent pas. Les gens, à mon avis, ne s'examinent pas. Si vous vivez dans le péché, si vous êtes en guerre avec des frères et sœurs, si vous n'êtes pas dans l'esprit de l'Église de Jésus-Christ, vous devriez vous abstenir de prendre le repas du Seigneur et vous devriez mettre vos vies en règle avec la parole du Seigneur avant de participer au corps de Christ. Hein? Comprenez? Je participe au corps de Christ, ça veut dire je fais un avec ce corps, je suis dans la même pensée que lui. Je suis un membre de cette église. Vous savez, des gens, ils mordent l'église, ils donnent des coups de pied à l'église. Et puis, ils prennent le repas du Seigneur. Elle est où? La cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Comprends pourquoi il est parlé de persévérance dans la fraction du pain? Parce que c'était très exigeant par rapport à la communion fraternelle. Hein, et ces choses, elles étaient liées. La fraction du pain, elle est couplée avec les prières. Je vous ai dit, la fraction du pain, ça nous parle d'une communion horizontale. Et les prières, bien sûr, ça nous parle d'une relation verticale, des prières au pluriel. Parce qu'il y en avait de toutes sortes. Il y avait des actions de grâce, il y avait des supplications, il y avait la louange, il y avait l'intercession. Toutes sortes de prières. Et ils y persévéraient. Et Dieu a couplé prière et fraction du pain. Pourquoi ? Parce que il veut pas qu'on ait une mystique déconnectée de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il veut pas qu'on soit simplement des gens alléluia, 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 et puis qu'on vive pas comme des chrétiens. Vous savez, vous avez des gens, ils prient beaucoup, c'est vrai, mais à côté ils font n'importe quoi de leur vie. La prière a une valeur à partir du moment où on vit comme un chrétien. Votre louange, elle a une valeur à partir du moment où vous vivez comme un chrétien. Et l'Église, elle a connecté ces choses-là. Elle a connecté la fraction du pain, cette considération de l'autre avec ma relation que j'ai avec Dieu. Et la fraction du pain, c'est ce moment où je m'examine, je me juge moi-même, si pour savoir si je vis en chrétien. Peut-être je prie comme un chrétien. Mais est-ce que je vis comme un chrétien? Est-ce qu'on connaît par exemple Ésaïe, vous savez, le vrai jeûne et le faux jeûne? Ah, vous le lirez à la maison, Ésaïe 58, versets 3 à 7. Il dit, mais quand tu jeûnes, tu te querelles avec ton frère, ta sœur. Il dit, le vrai jeûne auquel je prends plaisir, c'est dénouer les chaînes de la méchanceté. Si quelqu'un a faim, va lui donner à manger. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Pourtant, c'est de la prière. Mais il dit, pour Dieu dit, c'est bien ta prière. Mais si ta relation horizontale, elle n'est pas à ma ressemblance, laisse tomber ton jeûne. Arrête, tu perds ton temps. Il persévérait. Que signifie persévérer? Que signifie persévérer? Hein, le temps dans le grec, c'est vraiment continuellement. Ça veut dire qu'il le faisait continuellement. Et pour être même plus précis, hein, continuellement, il le faisait chaque jour. Il le faisait chaque jour. Verset 46, il dit, verset 46, ils étaient du livre des Actes, là.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour, ils rompaient le pain dans les maisons. Chaque jour, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Hein, le terme « chaque jour » ici s'applique à tous les verbes qui sont dans le verset. Hein. C'est-à-dire, ils se contentaient pas de réunions hebdomadaires, ces gens-là. Hein? Ils se contentaient pas d'un culte le dimanche. Ici, chaque jour, ils pratiquaient ces quatre choses. Chaque jour, ils se réunissaient. Vous savez quoi? Chaque jour, ils avaient des résultats. Parce que le Seigneur ajoutait à l'Église, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Hein? Et ils avaient des résultats extraordinaires, hein? On voit que la persévérance dans ces quatre piliers de l'Église produisait des résultats extraordinaires. Verset 43, une puissance, une vie de puissance, puisqu'il nous est dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils avaient un rassemblement heureux, non forcé. Hein. Ils traînaient pas la patte pour venir à l'Église. Tous les jours, ils y allaient, ils y couraient à l'Église. Parce que c'était tellement un refuge, c'était tellement un lieu d'amour, c'était tellement un lieu de la présence de Dieu. Mais ils y allaient chaque jour. Verset 45, ils avaient une vie de foi extraordinaire à cause de ces quatre piliers. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ces gens, ils n'avaient pas de souci de manquer, de crainte de manquer du lendemain, etc. Ils étaient, ce rassemblement les mettait tellement dans la foi que dit que il est bien, ils les partageaient entre eux. Verset 46-47, il est dit ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, rompaient le pain, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils avaient une vie nouvelle, transformée, joyeuse, radieuse, bénie, alléluia. Et puis ils avaient un réveil, hein. Ils avaient un réveil parce que c'était chaque jour qu'il y avait des gens sauvés. Et on le voit, hein, à la base de toutes ces choses-là, il y avait quoi? Il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait des programmes d'évangélisation? Est-ce qu'il y avait des efforts de ceci, des efforts de cela? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Hein? Ils avaient seulement la persévérance dans ces quatre éléments essentiels. En fait, ils avaient une église bâtie sur la pensée de Christ. Voilà. Après, le temps, les siècles, les hommes ont un petit peu altéré, hein, ont un petit peu altéré ce plan. Voilà. Et c'est pour ça, bien que ces choses, elles sont si peu et si rares dans l'Église de Jésus-Christ. Alors moi, j'aimerais ce matin prendre encore quelques minutes, puis qu'on se remette en question. Qu'on se remette en question. Voilà, moi, quand je prêche, hein, je prêche à l'église qui est devant moi, je prêche pas au monde entier, hein, je prêche à nous. Hein. Alors, bon, nous, on s'est efforcé d'avoir les quatre éléments dans cette église. On a l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu, on ouvre toujours la parole de Dieu. On comprend peut-être pas toujours tout bien, mais je dirais que, allez, 90%, hein. On est dans la vérité, hein. C'est une marge d'erreur. Bon. Communion fraternelle, voilà, une communion fraternelle. On fait même des repas le dimanche pour rester ensemble. Voilà, il y a des choses, hein. Communion fraternelle. En dehors de l'église, hein, essayer d'avoir des activités. Fraction du pain, oui, on prend la Sainte Cène tous les dimanches. Prière, oui, on prie, on a une réunion de prière même le mercredi. On a, voilà, on prie. Hein. Eh, on n'a pas les mêmes effets quand même, hein. Hein? Je sais pas, moi je me place devant la parole de Dieu. Hein? On a, basiquement, on a ces quatre éléments, mais on n'a quand même pas les mêmes effets. Bon, on a quelques miracles de temps en temps, quelques guérisons, alléluia. Oui, on a quelques vies transformées, alléluia. On n'a pas de réveil, hein. Voilà. On n'a pas des gens qui marchent sur l'eau, hein, avec des filles, avec des vies de foi, sans soucis, etc. Hein. Où est le problème? Où est le problème? Peut-être que nous n'avons que l'apparence de ces choses. Hein? Peut-être que nous n'avons que l'apparence de ces choses.
Par exemple, l'enseignement des apôtres. Alors, on l'a, la Bible est prêchée. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, par exemple, à la fin de la réunion, qui va se souvenir de ce message? Hein? Dans 2 heures, ce soir, si quelqu'un vous dit, frère, sœur, est-ce que tu peux me dire sur quoi le... Tu peux me résumer un peu le message du pasteur de ce matin? Quand on fait le test, les gens à 90% sont incapables de dire même de quoi le pasteur a parlé le matin. Ah oui, il a prêché. Oui, c'était sur l'église. Merci Seigneur. Hein? Je pense que la plupart d'entre vous, vous seriez incapables, si je vous demandais de me donner 3 versets de la parole de Dieu par cœur, je pense que la plupart d'entre vous, vous seriez incapables. On a fait le test ici pendant une mission. Demandez 1 verset. Est-ce que tu peux, frère, sœur, me donner 1 verset? Des gens qui viennent aux réunions 3-4 fois par semaine. Hein, hein. Donc ça veut dire, on persévère dans l'enseignement. Hein. On ne peut pas dire que les gens ne persévèrent pas, ils viennent aux réunions. Hein. Ils écoutent, je parle, je fais des messages, j'y passe des heures. Hein. Qu'est-ce qu'il en reste? Déjà, qu'est-ce qu'il en reste même dans la tête, hein, sans parler dans la pratique, hein, parce que c'est déjà, si ça reste pas dans la tête, ça risque pas de venir dans la pratique, hein. Et puis ça va être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça c'est la situation. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, noter les messages. Vous savez, moi j'étais jeune chrétien, je notais tous les messages de mon pasteur. Voilà. Je rentrais chez moi, je les recopiais. Voilà, je pensais pas qu'un jour je serais pasteur, hein. Je me nourrissais. Si vous ne pouvez pas noter les messages, vous pouvez au moins noter les versets. Et puis quand vous rentrez chez vous, vous pouvez les relire, peut-être les recopier. Vous savez, vous recopiez un verset, il va se graver dans votre tête. Est-ce que vous voulez persévérer dans l'enseignement des apôtres? Vous savez, la Bible nous explique que si on n'a pas l'enseignement des apôtres, On va être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous savez, vous allez aller sur, vous prendre des livres, vous allez aller sur Internet, il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a des choses très bien, mais il y a des choses toxiques, hein. Mais si vous connaissez pas la parole de Dieu, mais vous allez avaler des choses toxiques. Vous savez, comme ces moutons qui prenaient telle herbe et puis ça les faisait gonfler et puis ils mouraient. Il y a des aliments qui sont toxiques. Il n'y a pas que dans votre frigo qu'il y a des aliments toxiques. Hein. Il y a des messages aussi qui sont toxiques. Des messages qui enlèvent la foi. Il y a des messages qui etc. Donc il faut que vous persévériez dans l'enseignement des apôtres. Mais pas seulement être 2 oreilles un dimanche matin. Il faut que vous travailliez la parole de Dieu. Vous soyez ces gens de béret. Vous savez c'est quoi les gens de béret, hein? Ça, je fais interrogation écrite, sortez une feuille. Qui sont les gens de béret dans la Bible? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi on les appelait les gens de béret? Voilà. Parce que ils regardaient dans la Bible chaque jour si ce qu'on leur disait était vrai. Chaque jour. Vous voyez? Quotidien. C'était quotidien. Il y a un rapport quotidien à la parole de Dieu. La communion fraternelle. Alors le temps est avancé, je vais conclure. Je ne vais pas développer ici le sujet. Hein. Je pense que je vais y revenir en détail la semaine prochaine. Toutefois, je crois qu'il n'est pas difficile d'évaluer ce matin pour chacun d'entre nous si nous nous comportons en chrétiens dans l'Église du Seigneur et hors de l'Église du Seigneur. Hein. Voilà. Parce qu'il ne faut pas être chrétien que quand on est avec les autres. Hein. Hein. Un pasteur m'a raconté hier qu'il a eu le téléphone a sonné chez lui et puis tout d'un coup il a entendu un frère de son église qui hurlait, qui était en colère après ses enfants, etc. Alors lui il disait allô, allô, allô. Vous savez ces téléphones qui se mettent en route comme ça, ça vous est jamais arrivé, hein? Hop, téléphone s'est mis en route. Alors il était en direct avec la crise de colère du frère de l'église, hein? Ah, mais après, les gars, quand ils arrivent le dimanche, hein, ils sont... rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire. Hein, on arrive à garder le masque pendant 2 heures, 4 heures, hein, mais la semaine, hein, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire, hein,
pour la communion fraternelle, pour la koinonia, pour avoir une vraie, un vrai partage intime. Moi, je crois que, je vais revenir la semaine prochaine, donc je ne vais pas développer, mais je crois que si on a du mal avec l'Église, je crois qu'on a surtout un problème de conversion. Moi, je vous le dis clairement, si vous avez un problème avec l'Église de Jésus-Christ, vous avez un problème de conversion. Parce que l'Église, elle est dure que pour votre vieille nature. Si vous êtes rempli du Seigneur, vous n'avez pas de problème avec l'Église de Jésus-Christ. Moi, je vous le dis, elle est dure que pour votre vieille nature. Là, c'est un problème de conversion. La fraction du pain, qu'est-ce qu'on en fait de la fraction du pain? Remettons-nous en question. Une habitude où on prend machinalement 1, 2, 3 bouts de pain, ça dépend, puis on prend la coupe sans s'examiner, sans se remettre en question, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chaque dimanche s'étalonner, on doit chaque dimanche se remettre en règle. On doit comprendre que prendre le vin et le pain, ça signifie je m'associe avec d'autres dans l'Église de Jésus-Christ, je m'associe à des gens qui veulent vivre autrement, à des gens qui veulent vivre avec les principes de Christ. Que quand je dis te ressens, quand je chante te ressembler Jésus, c'est mon désir. Et c'est ça que c'est une signature. Le pain et le vin, je signe à nouveau en bas de la page en disant je veux être chrétien. Je veux vivre comme un chrétien dans le corps de Christ. Ce qu'on peut faire, c'est laisser passer le panier si on n'est pas d'accord avec ça. Laissez passer le panier si vous ne vivez pas ça. Accordez-vous avec la personne avec laquelle vous avez un différend. Considérez que chaque bout de pain, vous avez le panier qui va passer devant vous ce matin, vous allez regarder le panier, et il y a plein de petits bouts de pain dedans. C'est tous vos frères et sœurs en Christ qui sont dedans. C'est tous vos frères en Christ qui sont dedans. Et chacun va prendre sa part, mais il est dedans. Il est né du brisement du Seigneur Jésus. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec ça, laissez passer le panier. Si vous n'êtes pas en communion avec ça, laissez passer le panier. Mettez-vous en règle. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Et puis ensuite, prenez vraiment, persévérez dans la fraction du pain. Et puis les prières, je finis plus que rapidement. Je peux, je dois ouvrir ma bouche ce matin. Pour parler à Dieu, quand je suis dans l'église, je dois prier, je dois ouvrir ma bouche. Alors selon mon état, peut-être je vais être dans la louange ce matin, peut-être je me sens repris, peut-être je vais être dans la confession de mes péchés. Voilà, c'est pas quelle peut être ta mais parle au Seigneur. Le Seigneur t'a parlé ce matin. La parole de Dieu, elle t'a été donnée, ça veut dire Dieu te dit quelque chose ce matin. Tu peux pas rester silencieux en face de ça. Toi, tu peux dire Seigneur, ça me fait mal. Seigneur, je suis d'accord. Seigneur, je suis pas d'accord. Seigneur, je suis pas en règle. Seigneur, je te bénis parce que c'est merveilleux. Comment tu as prévu l'Église? Dites ce que vous voulez. Dites ce qui est dans votre cœur, mais dites-le. Puis pensez aussi une chose. Vous êtes pas tout seul dans ce lieu. Vous êtes dans l'Église. Vous n'êtes pas dans votre chambre. Vous avez des gens, ils font pas la différence entre l'Église et leur chambre. Vous ne devez pas, quand vous priez, prendre toute la place, prendre tout le temps. Il n'y en a pas que pour vous. C'est pareil, le parler en langue. Moi, je vais vous dire comme l'apôtre Paul, je veux que tous parlent en langue. Moi, je parle en langue, j'aime parler en langue. Il faut parler en langue. Mais jamais votre parler en langue, il doit couvrir la prière des autres. Combien de fois je vous l'ai dit? Voyez, il y a un enseignement des apôtres. Puis nous, qu'est-ce qu'on en fait dans la pratique? Mais c'est cause toujours, tu m'intéresses. C'est pas l'Église de Jésus-Christ. Parlez en langue, mais quand vous parlez en langue, c'est à voix basse. C'est dans votre cœur. Ça doit jamais couvrir. Parce qu'il faut que les gens puissent avoir des paroles avec leur intelligence. Et il faut que je puisse les écouter. Et il faut que je puisse dire amen à sa prière. Et ça, c'est la parole de Dieu. On est d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. C'est pas parce qu'on est des pentecôtistes qu'on doit être irraisonnable. Moi, je crois que la louange devant Dieu, et je suis pour la louange,
S'il y a la louange dans cette église, c'est parce que c'est moi qui l'ai voulu et qui l'ai amené. Mais je crois que la louange dans une église, c'est une symphonie. C'est une symphonie dans laquelle chacun doit jouer sa partition en faisant attention aux autres qui l'entourent. Alléluia. Il faut que ça soit agréable à écouter. Une louange qui est une louange dans l'esprit, c'est une louange qui est agréable à écouter. C'est agréable à écouter. Alléluia. Voilà. C'est pas une compétition, la louange. C'est pas je crie plus fort que mon voisin. C'est pas il faut qu'on m'entende, je suis là. C'est devant le Seigneur qu'on loue. Alléluia.